Madame, Monsieur, bonsoir. Voilà, nous sommes en direct depuis le stade de Silvio Cator pour cette rencontre du championnat national de première division. Le Violette Athletic Club contre l'équipe de Cosmopolite FC. C'est l'équipe des Cosmopolites qui donne le coup d'envoi ici au stade de Silvio Cator. Il est exactement 5h03. C'est la quatrième journée du championnat national de première division. L'équipe du Violette qui n'a pas encore marqué de but dans cette compétition. De même que l'équipe de Cosmopolite. Pas de victoire jusqu'à présent pour l'équipe du Violette Athletic Club dans ce championnat. Même cas de figure pour l'équipe des Cosmopolites. Ballon pour la formation des Cosmopolite FC avec notamment le dossier de la passe en avant. Mais l'arbitre central qui arrête la rencontre et octroie un coup franc à l'équipe du Violette Athletic Club. Le Violette entraîné par Ronnie Atimi. En tout cas, le ballon qui sera au profit de l'équipe du Violette Athletic Club avec Jude Saint-Louis. Jude Saint-Louis qui relance en avant. Ballon pour Marvin Dojermin. Marvin Dojermin puis Steven Saba. Saba pour Stevenson Jeudi. Stevenson Jeudi qui rate le contrôle. C'est une rentrée de touche en faveur de l'équipe des Cosmopolite FC. Le ballon en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. C'est une attaque, mais attaque échouée. Attaque échouée. Le ballon convoité par l'équipe des Cosmopolites. La passe sur le côté gauche avec Peterson Désir. Peterson, mais le ballon qui sort. Le ballon qui sort. Remise au 5m50. Alors, c'est un corner. Au lieu d'une remise au 5m50, c'est un corner en faveur de l'équipe. En faveur de l'équipe des Cosmopolites FC. On va voir. Auditeurs de la auditeurs et téléspectateurs de la RTL, la radio télé LIA. Nous sommes en direct des puis le stade de Silvio Cator pour cette rencontre du championnat national de première division. Le corner qui va être exécuté, on attend le signal de l'arbitre central. Le ballon capté par le portier de l'équipe des Cosmopolites FC. Le portier de l'équipe du Violette Athletic Club de préférence. La relance, le ballon en faveur de l'équipe des Cosmopolites. L'équipe des Cosmopolites FC. Le ballon en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club avec justement une passe en avant, le Violette à l'attaque, à le dribble, mais pas de faute. Pas de faute, estime l'arbitre central. Remise au 5m50 en faveur de l'équipe des Cosmopolites FC. L'équipe des Cosmopolites qui reçoit le Violette Athletic Club dans le cadre du championnat national de première division. Le ballon pour la formation locale. L'équipe des Cosmopolites, récupération du côté du VAC. Le Violette avec Jude Saint-Louis, les capitaines aujourd'hui. La passe en avant. Le ballon pour Roberto Luis Mabadjo. Le dégagement en touche. La rentrée de touche en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Le Violette 0,
L'équipe des Cosmopolitans, 0. C'est la quatrième minute de jeu. Le ballon pour l'équipe des Cosmopolitans. Le Violette reprend avec Stevenson jeudi. Récupération à côté Cosmopolitans. L'équipe locale en possession de la balle. Mais le Violette qui récupère avec le 223. C'est Emerson. Le ballon en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. La faute sur le joueur du Violette, c'est Denilson Pierre. Denilson Pierre qui a été séché. Ballon pour Carl Fred Sainté. Carl Fred Stevenson jeudi. Stevenson jeudi. La passe de Stevenson jeudi pour Carl Fred Sainté. Carl Fred, le ballon en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Cicéron qui donne à Denilson Pierre. Denilson, Marvin Dojermain, Denilson. Denilson Pierre, Cicéron. Cicéron, rapidement, la passe en direction de Jude Saint-Louis. Jude qui contrôle. La passe pour Steven Saba. Steven Saba, Jude Saint-Louis. Jude Saint-Louis, Roberto Louis Mabadjo. Dribble de Roberto Louis Mabadjo, un beau ballon. La passe sur le côté droit pour Stevenson jeudi. Alors Stevenson Guillaume, le centre de Stevenson Guillaume. La récupération avec Carl Fred Sainté, mais on a commis la faute sur Sainté. On a commis la faute sur Carl Fred Sainté. C'est un coup franc au profit du Violette Athletic Club. Salutations à FL. Salutations à Jetro. Avec nous au stade de Silvio Cator. Salutations à Lia Dovilus, dit Lia Sport pour les intimes. Salutations à Louisier, à toute équipe FLTL, RTL là. Oui. La RTL en direct au stade de Silvio Cator pour ce match du championnat national de première division. L'équipe des Cosmopolites FC qui reçoit le Violette Athletic Club, un bon coup franc avec Steven Saba. Oh là là! Ballon dégagé en corner par le portier de l'équipe des Cosmopolites FC. Corner avec Danny Camille. Le corner de la gauche vers la droite. Attention! Le ballon repoussé. Le rebond au profit de Steven Saba. Steven, le ballon qui sort en touche. Touche en faveur de l'équipe des Cosmopolitans Sportif Club. La relance avec l'arrière latéral droit de cette équipe, Stanley Jérôme. La touche exécutée, le ballon en direction de Peterson Germain. C'est une rentrée de touche. Touche en faveur de l'équipe des Cosmopolites FC. 0-0 ici au stade de Silvio Cator. C'est la 7e minute de jeu. Le ballon en faveur de l'équipe de Cosmopolites. Fabrice Védic Junior qui donne un retrait. Oui, le ballon pour le dossard de c'est Désir. Peterson Désir. La passe en retrait de Désir. Justement pour Jocelyn André Anelus. La faute de Jocelyn André Anelus. Carton jaune pour le 224 Jocelyn André Anelus. Après avoir commis la faute sur un joueur de l'équipe du Violette Athletic Club. Le joueur du Violette qui reste au sol. On va l'identifier d'ici à quelques instants. Le milieu de terrain de l'équipe du Violette Athletic Club. C'est un coup franc au profit du VAC. 0-0 ici au stade à Silvio Cator. C'est la 4e journée du championnat national de première division. Quelques résultats partiels. La SM mène par 1-0. But inscrit par Jeff Louis. Jeff Louis de retour dans le football. Jeff Louis qui a marqué pour l'équipe de l'ASM. Jeff qui a joué au sein de l'équipe de Nantes, au sein de Nancy. Il a joué du côté de la Belgique.
Jeff Louis, maintenant, qui joue pour son ancienne formation, du moins qui joue pour son club de son club formateur, l'équipe de l'ASM. Le ballon pour Danny Camille. Danny Camille, Calfred Sainte. Calfred Sainte pour Jude Saint-Louis. Jude Saint-Louis rapidement qui donne à Cicéron. Cicéron, la longue passe en avant, coup de tête de joueur de l'équipe des Cosmopolites. Le ballon qui sort en touche. La rentrée touche en faveur de l'équipe du Violet Athletic Club. Et la passe de Calfred Sainte pour Stevenson. Steven Saba. Le ballon convoité par le portier de l'équipe des Cosmopolites FC. Ballon capté par le dernier rempart de l'équipe des Cosmopolites FC. C'est Jean-Wycliffe Balthazar. Le ballon pour l'équipe des Cosmopolites. On va voir. C'est bien Jean Rosier. Le ballon justement pour Désir Peterson. La passe en avant de Désir Peterson. Mais ballon capté par le portier de l'équipe du Violet Athletic Club, Steve Sanon. Ballon pour Jude Saint-Louis. Jude Saint-Louis qui donne à Cicéron. Cicéron, Calfred Sainte. Le ballon pour Denilson Pierre. Denilson Pierre, Jude Saint-Louis. Jude Saint-Louis. La passe en avant à la recherche de Roberto Louis Mabadjo. Mais ballon repoussé par un joueur de l'équipe des Cosmopolites. Maintenant, le Violet qui repart à l'offensive. La longue passe en avant. Et attention, le ballon pour Marvin Dogermain. La passe dans la surface. Premier goal. Oh là là! Occasion idéale pour le Violet. Mais malheureusement, le joueur VAC, Stevenson Jeudi, a tiré du mauvais côté. Oui, occasion idéale pour le Violet Athletic Club, mais malheureusement, le joueur du VAC, Stevenson Jeudi, a tiré du mauvais côté. Le corner avec Danny Camille, le ballon soulevé dans la surface de réparation à la réception, Marvin Dogermain, attention. Ballon qui sort hors des limites du champ de jeu. Remise au 5,50 m en faveur de l'équipe des Cosmopolites FC avec Wycliffe Balthazar. Zéro-zéro entre Cosmopolites et l'équipe du Violet Athletic Club. La passe en avant du côté des Cosmopolites FC. Mais le joueur de l'équipe des Cosmopolites a commis la faute sur Denilson Pierre. C'était en quelque sorte Peterson Germain. Le ballon pour le VAC avec Cicéron. Cicéron qui donne très rapidement à son portier Steve Sanon. Steve Jude Saint-Louis. Jude Cicéron. 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 Arrière central gauche. Cicéron. La passe en avant. À la recherche de Denilson Pierre. Le ballon qui sort hors des limites du champ de jeu. Remise au 5,50 m en faveur de l'équipe des Cosmopolites FC avec Wycliffe Balthazar. Wycliffe Balthazar qui donne à un partenaire la longue balle en avant. À la recherche de Fabrice Virique Junior. Le ballon récupéré par Germain. Germain, la passe justement pour Sandinho Chéri. Le ballon pour Védric, mais à ce qu'il paraît, Védric a commis la faute, ou du moins on a commis la faute sur Fabrice Védric Junior. C'est un coup franc au profit de l'équipe locale, au profit des Cosmopolites FC. Fabrice Védric Junior qui change de côté. Le ballon pour le moment sur le côté droit. Le ballon qui sort en touche. La rentrée de touche en faveur de l'équipe du Violet Athletic Club avec Denilson Pierre. Denilson qui a joué du pied. C'était un coup franc. Le ballon pour Jude Saint-Louis, le capitaine du VAC. Jude Saint-Louis, la passe pour Marvin Dogermain. Le tacle, le dégagement de la défense de l'équipe des Cosmopolites. Le ballon qui sort hors des limites du champ de jeu. Remise au 5,50 m. Pour les poulains de Rodney Atimi. Le ballon
en faveur de l'équipe du Violet Athletic Club. Le VAC avec Jude Saint-Louis. Jude, la passe pour Cicéron. Cicéron, la passe en avant de Cicéron. Oui, pour Steven Saba. Steven Saba. Steven Saba, Denilson Pierre. Un long ballon en retrait de Denilson Pierre. À la recherche de son arrière central gauche. La passe pour Steven Saba. Steven Saba, Alfred Sainté. Ballon pour le portier du VAC qui dégage en catastrophe. Alfred Sainté récupère. La passe pour Saba. Saba, Danny Camille. Danny Camille qui change de côté. Le ballon sur le côté droit pour Stevenson Guillaume. Stevenson Guillaume qui donne le ballon de la surface de réparation. La récupération de Stevenson jeudi. Remise au 5,50 m en faveur de l'équipe des Cosmopolites FC. Wycliffe Balthazar à la relance pour l'équipe des Cosmopolites FC. Ballon au milieu du terrain. La passe en avant. Mais c'est la défense du Violette qui va récupérer avec Stevenson Guillaume. Le ballon en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Notamment avec Fernando Cicéron. Fernando. Jude Saint-Louis. Jude Fernando Cicéron. Fernando. Fernando. La passe en avant de Fernando. En direction de Stevenson jeudi. Récupération du côté des Cosmopolites. Le ballon qui a franchi la ligne de touche, la rentrée de touche en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Le Violette avec Cicéron, Fernando Cicéron qui donne en avant. Mais c'est pour la défense de l'équipe des Cosmopolites FC. L'équipe des Cosmopolites en possession de la balle. La passe en retrait en direction du dossard de la passe en avant de Désir Peterson. Le ballon rapidement pour le 218, c'est Jean Rosier. Le ballon convoité par My Love Voltaire. Mais l'arbitre central qui arrête la rencontre et octroie un coup franc à l'équipe du Violette Athletic Club. C'est la 16e minute de jeu. Zéro but partout ici au stade de Silvio Cator. Zéro pour le Violette. Zéro pour l'équipe des Cosmopolites FC. Le Violette qui joue en déplacement. Large victoire de l'équipe du Don Bosco hier au dépens du Racing Club haïtien. 4-0 en faveur de l'équipe pétionvilloise avec un doublé de Schwarzer Saint-Hubert, un but de Gambora le Colombien et un autre but de Eliade Dolus. Oui, 4-0 en faveur de l'équipe du Don Bosco de Pétionville. C'est un coup franc au profit de l'équipe des Cosmopolites FC avec Rosier. Rosier qui va relancer le ballon. Plusieurs joueurs sont déjà dans le territoire de l'équipe du Violet Athletic Club. Coup de tête de Denilson Pierre. Stevenson jeudi à la récupération. Le ballon en faveur de l'équipe du Violet et des Cosmopolites FC. La passe justement pour le dossard du VAC. Attention, ballon facile pour Steve Sanon. Steve Sanon, le dernier rempart de l'équipe du VAC. Le ballon justement pour le Violette avec Roberto Luima Baggio. Baggio qui donne à un partenaire de la défense, c'est Fernando Estimé. La passe pour Steve Sanon. Steve Sanon, Jude Saint-Louis. Jude balle au pied. La passe pour Marovindo Germain. Le ballon pour Guillaume. Stevenson Guillaume. Guillaume pour Sanon. Sanon Fernando. Fernando. Fernando Cicéron. La passe en avant. À la recherche de Roberto Luima Baggio. Roberto Luima Baggio. Roberto Luima. La passe pour Carl Fred Sainte. Sainte Cicéron. Ballon pour Roberto. Roberto. La passe pour Denilson Pierre. Denilson Pierre qui essaie de donner le ballon à Roberto Luima Baggio. Mais un joueur de l'équipe des Cosmopolites FC a mis le ballon en touche. La rentrée de touche en faveur de l'équipe du Violet Athletic Club. Le ballon pour le Carl Fred Sainte.
Calfred Sédé qui donne à Stevenson, à Steven Saba. Le ballon sur le côté droit avec notamment Stevenson Guillaume. Mais on a commis la faute sur le joueur de l'équipe de Cosmopolite. C'est un coup franc au profit de l'équipe locale. C'est la 19e minute de jeu. 0-0 ici au stade à Silvio Cator. Le ballon en faveur de l'équipe des Cosmopolite Sportif Club. La passe justement pour Rosier. Rosier, balle au pied. Rosier, la passe en avant. Le ballon joué de la tête. Justement, c'est Marouvin Dogerme qui récupère pour l'équipe du VAC. Passe de Saba, mais on a le ballon récupéré. Le violetteur reprend. Dani Camille, Dani. Renversement de jeu sur le côté gauche. Le ballon était en direction de Roberto Luis Mabadjo. Mais c'est une rentrée de touche en faveur de l'équipe des Cosmopolite FC. Attaque des locaux, mais attaque échouée. Récupération avec Denilson Pierre. Un bon ballon pour Roberto Luis Mabadjo. Danger pour Cosmopolite. Mais danger conjuré. Le ballon qui sort en touche. La rentrée de touche en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Stevenson, jeudi. La passe pour Denilson Pierre. Denilson Pierre qui donne à Fernando Cicéron. Fernando Cicéron qui change de côté. Maintenant c'est Jude Saint-Louis. Jude, le capitaine du VAC. Fernando qui donne à Carl-Fred Sainté. Le ballon pour Jude Saint-Louis. Jude qui donne en avant Stevenson Guillaume. On a commis la faute sur le milieu de terrain de l'équipe du Violette Athletic Club, Stevenson Guillaume. Ici au stade à Silvio Cator. 0 pour le Violette. 0 pour l'équipe des Cosmopolite FC. La RTL en direct depuis le stade à Silvio Cator. À partager live là. Permettre l'autre monde suivre nous à travers le monde. Oui. 0-0 ici au stade à Silvio Cator. 0 pour le Violette. 0 pour l'équipe des Cosmopolite Sportif Club. Le coup franc avec Dani Camille. Dani Camille qui va soulever dans la surface de réparation. Attention. Dani. Oui. Oh là là. C'est à côté. À côté des buts de Wycliffe Balthazar. Remise aux 5,50 m en faveur de l'équipe locale. L'équipe des Cosmopolite FC. 0-0 jusqu'à cette présente minute. Partagez live là. Partagez. Ballon au profit de l'équipe du Violette Athletic Club avec Stevenson Guillaume. Maintenant c'est Carl-Fred Sainté. Ballon pour Marouvin Dogermain. Oui, la passe à danger. Oh là là. Roberto Luis Mabadjo. Mais quel effort de la part du joueur de l'équipe des Cosmopolite FC. Oui. Quel effort de la part du défenseur de l'équipe des Cosmopolites. Oui, c'était une action assez dangereuse pour l'équipe du Violette Athletic Club. Mais pas de but. Le corner en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Attention, l'arbitre central qui arrête la rencontre et octroie un coup franc à l'équipe. À l'équipe des Cosmopolite Sportif Club. Partagez live là, oui. Permettre un pilote monde suivre. Le Violette Athletic Club qui était capable de marquer pour Roberto Luis Mabadjo. Mais toutefois, la défense de l'équipe des Cosmopolite FC était bien en place.
le ballon en faveur de l'équipe des Cosmopolites. C'est un coup franc au profit de l'équipe locale avec justement Rosier. Rosier qui donne en avant, mais c'est la défense de l'équipe du Villette Athletic Club qui va récupérer avec Denilson Pierre. Denilson Pierre. Denilson qui donne à Carl-Fred Sainté. Carl-Fred Sainté qui va décaler sur le côté droit. C'est ce qu'il fait à la recherche de Morvindo Germain. Un bon ballon pour Morvindo. Morvindo Germain. La passe de Morvindo à la recherche de Danny Camille. Danny Camille qui donne sur le côté gauche en direction de Denilson Pierre. Denilson Pierre qui prolonge pour Roberto Luima Baggio. Roberto Luima, danger pour le Cosmopolite. Mais c'est trop soulevé. C'est trop soulevé de la part de Roberto Luima Baggio. Remise au 5,50 m en faveur de l'équipe des Cosmopolitan Sportif Club. L'entraîneur Joseph de l'équipe des Cosmopolites, jusqu'à présent inquiet pour son équipe. L'entraîneur Edson Joseph. Le ballon pour l'équipe locale, l'équipe des Cosmopolites, avec le 214. La passe en avant à la recherche de Védric Junior. Fabrice Védric Junior. Mais le défenseur de l'équipe du VAC a mis le ballon en touche. La rentrée de touche au profit de l'équipe des Cosmopolites Sportif Club. Le ballon à l'entrée des 16 mètres. Le dribble. La récupération avec Jude Saint-Louis. Mais on a commis la faute sur l'ancien joueur de l'équipe du Baltimore de Saint-Marc. Et c'est un coup franc au profit de l'équipe du Violette Athletic Club. Oui. Salutations à Ismaël Chester Antoine de la Radio Télé Guinée avec nous ici au Stade Sylvain Caton. Le ballon au profit de l'équipe du Violette Athletic Club. Sur le côté gauche avec Cicéron. Oui, bonne passe pour Denilson Pierre. Denilson, le centre de la surface. Attention, premier but, non. Le ballon en faveur du VAC, mais le dégagement du côté des Cosmopolites FC. Les Cosmopolites Sportif Club cap sorti avec cette passe pour Fabrice. Fabrice Véric Junior. C'est un très bon joueur, Fabrice. Oui. Il a du talent. Ballon capté par Steve Sanon. Steve, le dernier rempart de l'équipe du Violette Athletic Club. 0-0 jusqu'à présent. C'est la 27e minute de jeu. 0 pour le Violette, 0 pour l'équipe des Cosmopolites. Nous sommes en direct depuis le stade Silvio 14. C'est la 4e journée du championnat national de première division. Une 4e journée qui a débuté hier avec la victoire de l'équipe du Don Bosco de Pétionville. 4-0 en faveur de l'équipe pétionvilloise au dépens du Racing Club haïtien. Avec des buts signés Schwarzer Saint-Hubert pour un doublé. Un but de Gamboa et un autre de Eliader Dolus. C'était sur penalty. L'équipe du Don Bosco, en attendant les autres matchs qui avaient pris la première place au classement avec 8 points, 4 matchs disputés, 2 victoires, 2 nuls, aucune défaite pour les protégés de Paulin-Jean. Ayant 4 victoires de l'ASC aujourd'hui, Don Bosco a perdu première place classement. ASC qui est en déplacement à Léogane contre l'équipe du Cavalli. Le ballon en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club avec Fernando Cicéron. Maintenant, c'est Steven Saba. Steven Saba, Carl-Fred Sainté. Le ballon pour Danny Camille. Danny Camille qui change de côté, justement pour Jude Saint-Louis. Jude Saint-Louis pour Stevenson Jeudi. Stevenson Guillaume. Stevenson pour Steven Saba. Steven Saba, Morvindo Germain. La passe en retrait pour Danny Camille. Danny Camille qui soulève légèrement sur le côté gauche pour Denilson Pierre. Coup de tête de Pierre pour Roberto Luima Baggio. Roberto en retrait à la recherche de Fernando Cicéron. Fernando Cicéron, la passe pour Roberto Luima Baggio. Roberto Luima Baggio. Roberto pour le VAC. Roberto Luima Baggio, la passe en retrait pour Carl-Fred Sainté. Carl-Fred, le ballon repoussé par la défense de l'équipe de Cosmopolite.
Ballon pour Fernando Cicéron. Fernando. La passe de Fernando à la recherche de Roberto. Roberto Luis Mabadjo. Roberto. On a commis la faute sur le milieu de terrain de l'équipe du Violette Athletic Club. Fernando. Roberto Luis Mabadjo qui a subi la faute. C'est un coup franc au profit de l'équipe du VAC. Et en parlant de coup franc, Messi a marqué un super but sur coup franc aujourd'hui contre l'équipe du FC Valence. Le ballon qui a percuté le poteau avant de rentrer au fond des filets de l'équipe valencienne. Victoire de l'équipe catalane, 3-2. Le classement de la Liga est toujours serré. Le coup franc exécuté, mais ça passe au-dessus. C'était un coup franc de Steven Saba, de Carl-Fred Sinté. Remise au 5 m50 en faveur de l'équipe des Cosmopolites. Wycliffe Balthazar qui donne à Rosier. Enfin, Rosier qui donne en avant, oui. La récupération du côté du VAC. Stevenson Guillaume qui donne à son portier Sanon. Steve Sanon pour Fernando Cicéron. Fernando Cicéron, la passe en avant, mais mauvais contrôle de Denilson Pierre. Le ballon qui sort en touche. La rentrée touche en faveur de l'équipe des Cosmopolites Sportif Club, l'équipe du Violette Athletic Club. Jusqu'à présent, qui peut être capable de jouer une route goal là face à l'équipe des Cosmopolites Football Club. C'est la 31e minute de jeu, 0-0 jusqu'à cette présente minute entre les deux formations. Le ballon pour Carl-Fred Sinté. Carl-Fred Sinté, la passe pour Marvin Dojamin. Jude Saint-Louis à la récupération, mais le ballon qui sort en touche. La rentrée touche en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Oui, le Violette Athletic Club qui est en déplacement pour jouer contre l'équipe des Cosmopolitan Sportif Club. Le Violette qui reste sur 2 matchs nuls. Dans cette compétition, 0-0 contre l'ASM, 0-0 contre l'USR. Le ballon convoité par Steven Saba, coup de tête d'un joueur des Cosmopolites. Le ballon qui sort en touche, la rentrée touche en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club avec Stevenson Guillaume. Le ballon, en tout cas, en faveur de l'équipe du Violette, la passe pour Stevenson, jeudi. Attention, oh là là, premier but, non! Le ballon récupéré par l'équipe des Cosmopolites avec Fabrice Védica Junior. La passe en avant, non. Le ballon qui sort en touche. Rentrée de touche en faveur de l'équipe du Violette. Le ballon pour le VAC. Avec Denilson, Roberto Luis Mabadjo, la passe, oui, le ballon pour Stevenson, jeudi, le tir, oh là là, ballon capté, en deux temps par Wycliffe Balthazar. Quelle occasion pour le VAC, mais malheureusement, pas de but. Pour le Violette, le ballon dégagé de manière in extremis par le portier de l'équipe des Cosmopolites Sportif Club. C'est vraiment dommage pour le VAC. Heureusement pour l'équipe des Cosmopolites, 0 but partout ici au stade de Silvio Caton. C'est la 33e minute de jeu. Le Violette Athletic Club en déplacement pour jouer contre l'équipe des Cosmopolites dans le cadre de la 4e journée du championnat national de première division. Le Violette qui reste sur 2 matchs nuls, 0-0 contre l'association sportive de Mirebalais, 0-0 contre l'équipe de l'Union sportive Rive Antibonicienne. L'équipe des Cosmopolites qui reste également sur 2 défaites.
3-0 à chaque fois. Oui, Cosmopolite, nous songeons ça qui était perdu contre le Real Hope Academy. 3-0. Et au stade de Silvio Cator, il était perdu également contre le FICA. 3-0. C'est la pire défense. L'équipe des Cosmopolites qui possède la pire défense dans cette compétition après deux matchs disputés. Mais pour le moment, le Racing encaisse beaucoup plus de buts avec 9 buts encaissés au total. Le bal, oui, sans marquer. Oui, le Racing qui encaisse 9 buts sans marquer aucun. Le ballon en faveur de l'équipe du Violette. Avec Stevenson Guillaume, nous capables de remarquer, Jodia, Stevenson Guillaume a joué comme arrière latéral droit. Le Violette, et jusqu'à présent, qui fait un bon match contre l'équipe des Cosmopolites. Madoucha, ce qu'il paraît, pas présent. L'équipe du Violette, jusqu'à présent, qui peut capable jouer une brèche là dans la défense, l'équipe Cosmopolite là. Le ballon pour Jude Saint-Louis. Jude Saint-Louis qui va jouer en avant. C'est ce qu'il fait en direction de Steven Saba. Steven, Marvin Dogermain, Stevenson jeudi qui rate le contrôle. Récupération avec l'équipe des Cosmopolites. La passe pour Fabrice Verica Junior. Fabrice, ballon qui sorti en touche. La rentrée touche au profit du Violette Athletic Club. C'est une rentrée de touche en faveur du VAC avec Stevenson Guillaume. Stevenson Guillaume qui donne en avant le ballon au profit de l'équipe du Violette Athletic Club avec cette longue balle en direction de Stevenson jeudi. Ballon pour Cole Fred de Sainte. Passe de Denilson Pierre. Attention, la passe en avant. L'équipe du Violette Athletic Club qui t'a pas attaqué, mais gagné un joueur cosmopolite qui était sous sol là et arbitre central là. Les campé match justement. Pour que ma soeur, équipe Cosmopolite, vienne porter soin à joueur ça qui touchait sous dernière action. Hein. Nous sommes en direct depuis le stade Silvio Cator pour ce match du championnat national de première division. Oui, salutations à Getro, à FL, à Lia Dovilus, Lia Sport, salutations à Louisier. Salutations à tous nos supporters, à tous nos super branchés. Pas hésiter à chaque fois et pour nous partager live là. Partager. Ballon au profit de l'équipe des Cosmopolites Sportif Club. C'est toujours 0-0 entre les deux formations. 0 pour le Violette, 0 pour l'équipe des Cosmopolites Sportif Club. La passe de Rosier pour Fabrice. Fabrice qui soulève en avant. Le ballon convoité par Stevenson Guillaume. Stevenson et Stevenson Guillaume. La passe en retrait en direction de Jude Saint-Louis. Steve. La passe sur le côté gauche à la recherche de Denilson Pierre. Denilson Pierre qui donne à Danny Camille qui change en direction de Marvin Dogermain en direction de Colfred Sainte. Colfred Stevenson Guillaume. On a commis la faute sur le milieu de terrain, ou du moins sur l'arrière latéral droit de l'équipe du Violette Athletic Club. Fernando Saba, Denilson Luima, Roberto Luima Baggio. Non, remise au 5m50. Remise au 5m50 en faveur de l'équipe des Cosmopolites FC. C'est toujours 0-0 ici au stade à Silvio Cator. La relance de Jean-Wycliffe Balthazar. Le ballon justement pour Ronaldo Jean-Paul. C'est Peterson Désir de préférence. Ballon pour Fabrice Védrique Junior. Fabrice. La passe de Fabrice pour Désir. Désir Peterson. La passe en avant. La récupération du VAC. Désir reprend. Peterson Désir pour Fabrice. Fabrice, doublement de passe. Le ballon pour Cosmopolite. Le Violette reprend. Non, Cosmopolite à nouveau avec Peterson Désir.
Peterson, le centre, danger pour le Violette, danger. Attention, oh là là, danger pour le VAC. La récupération du côté du Violette Athletic Club avec Denilson Pierre. Denilson, la passe sur le côté droit, sur le côté gauche. Attention, l'équipe du Violette à l'attaque. Un bon ballon, le centre. Le ballon repoussé par la défense de l'équipe des Cosmopolites. Oui, Cosmopolites à l'attaque, mais attaque échouée. La récupération du côté du Violette, pas pour longtemps. Cosmopolites reprend. Avec le dossier 7 de l'équipe locale, c'est Germain, Peterson Germain. Il y a deux Peterson dans cette équipe. Peterson Désir et Peterson Germain. C'est l'arbitre central qui arrête la rencontre et octroie un coup franc à l'équipe des Cosmopolitan Sportif Club. Oui, Cosmopolitan Sportif Club. Qui reçoit l'équipe du Don Bosco de EP, qui reçoit l'équipe du Violette Athletic Club. L'arbitre central, c'est bien Dieu Juste Ellison Comment, l'arbitre de cette rencontre. Dieu Juste, le directeur du jeu. La RTL en direct depuis le stade de Silvio Cator pour ce match du championnat national de première division. L'équipe des Cosmopolites Sportif Club qui reçoit le Violette Athletic Club. Et c'est toujours 0-0 ici au stade. C'est la 41e minute de jeu. Nous sommes pas loin de la fin de la première mi-temps entre les deux formations. Le Violette en déplacement pour jouer l'équipe des Cosmopolites Sportif Club. Le joueur de l'équipe des Cosmopolites qui n'est pas capable de continuer est déjà l'entraîneur de cette formation qui va opérer un changement. Edson Joseph qui va opérer un changement pour l'équipe des Cosmopolites. On va voir 0-0 ici au stade de Silvio Cator. Vous suivez la 4e journée du championnat national de première division. Le Violette, jusqu'à présent, qui fait jeu égal face à l'équipe des Cosmopolites au tableau d'affichage, c'est toujours 0-0. Steven Saba, qui donne à Denilson Pierre, Roberto Luis Mabadio, le ballon qui sort hors des limites du champ de jeu. Remise au 5,50 m en faveur de l'équipe des Cosmopolitan Sportif Club. Le joueur du Violette qui reste au sol. Il s'agit de Roberto Luis Mabadio. Pas gain véritablement pile monde qui fait déplacement dans ce stade-là pour match. Faut dire que gradin est vide. Avec quelques supporters, que ce soit dans la zone sud de stade-là et dans la zone nord-là. De même qu'au niveau de gradin central, là, pas gagné en pile monde. La seule différence, c'est dans la tribune centrale, là, gagné plusieurs supporters de l'équipe du Violette Athletic Club qui déplaçaient. Pour venir suivre rencontre, le Violette, justement, qui joue au stade contre Cosmopolite en attendant le derby national d'ici. Dimanche prochain, le derby national, le Violette contre le Racing Club haïtien. Ce sera un match électrique entre les deux formations. Le Racing qui n'a pas encore gagné dans le championnat national. Alors que le Violette reste sur deux matchs. C'est presque, ou du moins c'est le même cas de figure pour le Violette. Qui n'a pas encore remporté de victoire dans le championnat national de première division. Nous capables de dire que Violette qui peut marquer gol, qui peut faire victoire dans le championnat,
le ballon en faveur de l'équipe des Cosmopolites Sportif Club. Attention, la passe en avant. Oui, le ballon récupéré par Danny Camille. Danny Camille, Stevenson Saba. Stevenson Saba, attention, le ballon convoité par Fabrice Védic Junior. Fabrice Védic en possession de la balle. La passe sur le côté droit. Attaque de l'équipe locale. Le centre. Mais ballon repoussé par la défense du VAC. À ce qu'il paraît, un joueur du Violet est au sol. C'est ça. C'est Steven Saba, le milieu récupérateur de l'équipe du Violet Athletic Club. Steven Saba, c'est un grenadier. Il fait partie des joueurs qui avaient disputé la Gold Cup en 2019. Steven Saba, c'est un très bon joueur. Il avait marqué un superbe but pour le Violet Athletic Club dans le cadre du championnat national de première division. Un but qui va rester pendant longtemps dans les annales du football haïtien. Le ballon en faveur de l'équipe des Cosmopolites. C'est pour aller en rentrée de touche en faveur de l'équipe locale. C'est la 45e minute de jeu. Nous jouons les minutes additionnelles. L'équipe des Cosmopolites en possession de la balle. Sur le côté droit, la passe en avant. Attention, récupération avec Fernando Cicéron. La passe pour Fernando. Fernando qui va jouer en avant à la recherche de Roberto Luima Baggio. Roberto Luima Baggio. La passe en retrait pour Denison Pierre. Steven Saba. Le ballon au profit de l'équipe du Violet Athletic Club. Cosmopolitan reprend un bon ballon au niveau de la défense. La passe en avant. Oui, la passe sur le côté gauche, côté droit du VAC. Récupération avec Stevenson Guillaume. Guillaume qui donne à Marvin Dojer, mais mauvaise passe. Le ballon qui revient de la défense du VAC. Et c'est Fernando Cicéron qui va contrôler. Oui, c'est une rentrée de touche en faveur du VAC. Denilson Pierre. Denilson Pierre qui donne à Danny Camille. Danny Camille. La passe en avant de Danny. Mauvaise passe. Récupération avec Fabrice Védéquez Junior. Mais quel joueur de football c'est Fabrice. Ballon pour l'équipe des Cosmopolites. Ballon sur le côté gauche. La passe de la surface. La passe à l'entrée des 16 mètres. Possibilité de tir. Non. La passe en retrait. L'équipe des Cosmopolites Sportif Club en possession de la balle avec Anilus. Ballon perdu. Le Violet reprend. Attention. Le Violet à l'attaque. La passe. Oui. Oh là là. Ballon repoussé par la défense de l'équipe de Cosmopolites. Cosmopolites qui a sorti avec Rosier. Danger pour le Violet. Mais danger conjuré par Fernando Cicéron, Danny Camille. La passe en avant. Attaque du VAC. Oh là là. Passe de Roberto Luima Baggio. Raté. Récupération avec l'équipe des Cosmopolites Sportif Club. Ballon au profit de l'équipe des Cosmopolites Sportif Club. C'est la défense de l'équipe locale qui va récupérer la passe en avant. Oui, Cosmopolite en possession de la balle. Déviation, mais le Violet reprend. Steven Saba. Le ballon en avant. On remet à Steven Saba. Saba, ballon perdu. Récupération du côté des Cosmopolites. Fabrice, la passe en avant. Maintenant, c'est Jude Saint-Louis qui récupère. La passe de Jude, Carl-Fred Sainté, Danny Camille. La passe pour Marvindo Germain, Carl-Fred Sainté, Stevenson Guillaume, Marvindo. On a commis la faute sur Marvindo Germain. Zéro but partout jusqu'à cette présente minute entre les deux formations. Cosmopolite Sportif Club qui reçoit l'équipe du Violet Athletic Club dans le cadre de la 4e journée du championnat national de première division. Le ballon
pour lever assez avec ce coup franc pour Carl-Fred Sainté, Stevenson Guillaume, et c'est la mi-temps, 0-0 ici au stade de Silvio Cator entre le Violette et l'équipe des Cosmopolites. On observe la pause et dans moins de 15 minutes, on sera de retour pour la deuxième mi-temps de ce match entre Cosmopolites et l'équipe du VAC.
Thank you.
Les Athletic Club et l'équipe des Cosmopolites FC, c'est entre le VAC et l'équipe des Cosmopolites. Ballon pour le VAC, la passe en avant en direction de Stevenson. Jeudi, mais le ballon capté par Wycliffe Balthazar qui donne à un partenaire au niveau de la défense, mais le joueur du Violette a commis la faute. Le coup franc exécuté, le ballon de la défense des Cosmopolites. On joue sur le côté gauche de la défense. On remet à Wycliffe Balthazar. La passe en avant. La longue passe en direction du 214 des Cosmopolites. Mais le joueur du Violette qui contrôle le ballon, Denilson Pierre. Le Violette qui a bénéficié d'une rentrée de touche. 0-0 entre le VAC et l'équipe des Cosmopolites Sportif Club. Le ballon pour Dani Camille. Dani Camille qui donne à Jeudi.
Salutations à Eiffel, salutations à Getro, Lia Dovilus, Lia Sport, Lia Fika pour les intimes. Salutations à Louisier, salutations à Naomi, à toute équipe RTL là. Pas hésiter, partager live. Hein. Quelques résultats de la quatrième journée du championnat national de première division. La victoire de l'ASM au dépens de l'América des Cayes, 1-0, but de Jeff Louis. La victoire de l'Orcaïen au dépens de la Juventus, 1-0. C'est Fabrice Latortue qui a marqué pour l'équipe de l'Orcaïen. Victoire de l'équipe du Cavalier au dépens de l'ASC, 1-0. But inscrit par Ami André. Et puis c'est toujours 0-0 ici au stade de Silvio Caton entre le Violette et l'équipe des Cosmopolitan Sportif Club. Denilson Pierre qui donne à Fernando Cicero. La passe pour Colfred Sainté en déviation. Justement pour Jude Saint-Louis. Jude Saint-Louis qui remonte le champ de jeu. Jude Saint-Louis. La passe en avant pour Morvindo Germain. Pour Colfred Sainté. La passe en avant pour Roberto Louis Mabadjo qui donne en avant. Le ballon récupéré par l'équipe des Cosmopolites. C'est un dégagement en touche. La rentrée touche au profit de l'équipe du Violette Athletic Club. Le Violette entraîné par Ronny Atimi. Le centre de Denilson Pierre. Le ballon repoussé par la défense de l'équipe des Cosmopolites. Avec notamment le 214 de l'équipe locale. Le ballon en faveur de l'équipe des Cosmopolites. Dégagement par Jude Saint-Louis. Le ballon convoité par Carl-Fred Sainté. La passe en avant de Sainté, mais on a commis la faute sur le joueur du VAC. Victoire de l'ASM, 1-0. Victoire également de l'Orcaïen, 1-0. Ça fait deuxième match et deuxième victoire pour cette équipe orcheloise. L'Orcaïen qui reste en pleine forme dans le cadre du championnat national de première division. Alors qu'ils ont des difficultés pour recevoir leur match à domicile. Est-ce que c'est au stade de Silvio Cator ou du moins est-ce que c'est Amir Ballet, l'équipe de l'Orcaïen qui va confirmer le siège ou du moins le terrain où il va recevoir. C'est 0-0 jusqu'à présent entre le Violette et l'équipe des Cosmopolitan Sportif Club. Nous sommes en direct pour ce match ici au stade de Silvio Caton. Le Violette qui joue avec ses couleurs traditionnelles, maillot bleu, culotte bleue, rayé blanc. Et puis l'équipe de Cosmopolite qui joue avec ses couleurs traditionnelles, maillot noir, culotte noir, rayé gris. Attention, attaque du VAC. Roberto Luima, la passe pour Denilson Pierre, mais corner. Corner en faveur de l'équipe du Violette. Athletic Club. Jusqu'à présent, pas de but pour le VAC dans le championnat national de première division. Le ballon pour le VAC avec Steven Saba qui va relancer coup de tête, mais c'est à côté. Remise au 5m50 en faveur de l'équipe des Cosmopolitan Sportif Club. En Italie, l'Inter de Milan a remporté le calcio.
après plus de 11 ans de... De disette, l'équipe interiste vient de remporter le championnat d'Italie. C'était depuis sous l'ère de José Mourinho. L'Inter de Milan a remporté un championnat d'Italie. Et c'est fait avec Antonio Conte à 4 journées de la fin. L'équipe interiste s'est emparée du trophée récompensant la meilleure équipe du championnat d'Italie. Chapeau à l'équipe interiste. On attend le champion en Espagne. On attend le champion en Allemagne, en Angleterre, mais aussi en France. Ballon pour l'équipe des Cosmopolites. On revient dans le sujet principal. Cosmopolitan Football Club en possession de la balle à partir du côté gauche. Ballon perdu, récupération avec le VAC. La passe en avant, oui, Stevenson jeudi. Bon ballon, bon ballon, bon ballon, bon ballon. Oh là là! Tir du joueur du VAC, Stevenson jeudi. Ça passe à côté. Oui, le violet qui était tout prêt pour marquer le premier but de la série de clôture du championnat national de première division, mais jusqu'à présent, ça tarde à venir. Jusqu'à présent, le violet est à la recherche du premier but de la série de clôture. Dani Kami, on a commis la photo sur Kami. Non, c'est bien Dani Kami. Dani Kami qui va soulever dans la surface de réparation. Attention. Le ballon avec Dani Kami soulevé dans la surface de réparation. Premier but et goal! Goal, 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 goal. Second quatrième, le premier but du Violet Athletic Club de la série de clôture du championnat national de première division Saint-Germain. Mais on a commis la faute sur My Love Voltaire. C'est un coup franc au profit des Cosmopolitan Football Club. Coup franc en faveur de l'équipe local en difficulté. Cosmopolitan Football Club pour le moment en difficulté ici au stade de Silvio Cator. Un bon coup franc avec Fabrice Védric Junior. Fabrice qui va soulever de la surface de réparation. Attention, coup de tête, mais c'est à côté. Coup de tête, c'est à côté.
à côté des buts de Steve Sanon. Le dernier rempart de l'équipe du Violette Athletic Club, Steve, qui donne à Jude Saint-Louis. Jude Saint-Louis, Denilson Pierre, Denilson Pierre. Récupération du côté de l'équipe visiteuse, Cosmopolite à l'attaque, attention, ballon perdu. Récupération du côté du VAC, attention, un bon ballon, la passe en direction de Roberto Louis Mabadjo, oh là là, coup de tête de Stevenson jeudi, mais ballon claqué par le portier Wycliffe Balthazar. Le Violet était tout près de marquer un deuxième but. Le ballon de la défense du VAC avec Steve Sanon qui donne à jeudi. Et alors, Jude Saint-Louis, au lieu de jeudi, c'est Jude Saint-Louis. Le ballon au profit des Cosmopolites. Attention. Stevenson jeudi de l'équipe des Cosmopolitan Football Club. Pour les hommes des Cosmopolites, la passe, le ballon en avant, repoussé du VAC Cosmopolitan Football Club qui récupère la passe en avant. La passe justement pour Steven Sabat. Steven, déviation, passe en retrait. Le ballon au profit de l'équipe des Cosmopolites. Metellus. La passe très rapidement.
la défense du VAC qui récupère, oui, le nouveau venu de l'équipe du Violette Athletic Club, c'est Vilmon Horacius qui rentre dans le match et justement dans la défense centrale, il remplace Fernando Cicéron qui n'est pas capable de continuer après l'été fin fait goal là. Le ballon pour Fabrice. Fabrice qui donne en avant. La déviation. Cosmopolite à l'attaque. Mais c'est Denilson Pierre qui laisse le ballon. Remise au 5 m50 en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Steve Sanon qui donne à un partenaire de la défense. La passe en avant côté VAC. Stevenson Guillaume. Guillaume qui perd la balle. Récupération avec le milieu de terrain Fabrice. On a commis la faute sur Fabrice Védric Junior. Le ballon en faveur de l'équipe. En faveur de l'équipe des Cosmopolites. La passe au niveau de la défense. On joue justement au milieu du terrain. En direction du 224, c'est Jocelyn André. Le ballon de la défense et de l'équipe locale. Les visiteurs, pour le moment, qui est replié. On a parlé de l'équipe violette là. Fabrice Védric Junior. Il a du talent, Fabrice. Ballon pour le VAC. Roberto Luma Baggio. Roberto Luma Baggio. Roberto. Roberto. La passe en avant. En direction de Steven Saba. Denilson Pierre. Denilson. Denilson, déviation de la surface, danger pour Cosmopolite. Deuxième goal. Et goal! 2-0 pour le Violette Athletic Club. But inscrit par. But inscrit par. Marovindo Germain. 2-0. Pour le Violette Athletic Club, but inscrit à la 64e minute de jeu. 54e, 64e minute de jeu. 2-0 en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Oui, le Violette qui aggrave le score. 2-0 pour le VAC. 2-0 pour le VAC. Sous les applaudissements du public bleu-blanc. Le ballon en faveur de l'équipe des Cosmopolitan Football Club. Fabrice Védric Junior. Fabrice. Ballon. Pour le VAC, oui, possibilité de troisième goal. Non, ballon repoussé par la défense des Cosmopolites. Ballon en faveur de l'équipe. Ballon en faveur de l'équipe des Cosmopolites. Fabrice en retrait. La passe en avant en direction du 207 de l'équipe des Cosmopolites. Le Violette reprend. Roberto Luma Baggio. Mais le ballon qui sort en touche. La rentrée de touche du côté des locaux. Le ballon de la défense pour Jean-Paul. Récupération avec Dani Camille. Dani, la déviation pour Stevenson jeudi. Attention, oulala, mais ballon raté. Alors, frappe ratée de la part de Stevenson jeudi. Il n'a pas encore marqué pour le Violette Athletic Club. Stevenson jeudi, qui a quitté l'équipe de l'América des Cayes, justement pour porter les couleurs de l'équipe du VAC. Le ballon en faveur de l'équipe des Cosmopolites. Partagez live là, partagez live là. Rendez-vous week-end prochain pour Derby National là. Entre Violette et l'équipe du Racing Club haïtien. Oui, le ballon pour Fabrice Védric Junior. Tire de loin, mais ballon facile.
pour Steven Sanon. Ballon facile pour Steven Sanon. Le ballon au profit de l'équipe du VAC. Horacius Villemont. Danny Camille. Oui, la passe en retrait. Stevenson Guillaume. Horacius Villemont. Steven Saba. La passe en avant. Mauvaise passe. Récupération du côté des Cosmopolites. Fabrice Vélique Junior, mais on a commis la photo sur ce dernier. Le coup franc en faveur de l'équipe de Cosmopolite Sportif Club. Ballon pour Cosmopolite. La passe en avant, oui. Bon ballon pour Metellus, il était en position avancée. Coup franc en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club, le Violette qui mène par 2-0. 2 buts signés Fernando Cicéron et Morvindo Germain. 2 changements du côté du VAC. C'est Colfred Sainté qui sort. Et c'est le 208 du VAC. L'ancien joueur du Don Bosco de Pétionville qui a rentré. On va l'identifier d'ici à quelques instants. Le 208 du Violette Athletic Club, c'est Kellen Saint-Georges qui rentre dans le match. Et puis Michneider Chéri également est de la partie. Michneider Chéri qui rentre à nouveau sur le terrain. Le ballon pour Roberto Luma Baggio. Roberto Luma qui donne à Stevenson. Qui donne à Steven Saba. Steven Saba. Jude Saint-Louis. Jude. Danny Camille. La passe en avant pour Stevenson. Jeudi. Michneider Chéri. Le ballon de la défense des Cosmopolites. Coup de tête de Danny Camille. Ballon pour Danny à nouveau. Danny Denilson. Denilson Pierre, le ballon pour l'arrière latéral gauche du Violette Athletic Club. On a commis la photo sur Danny. Le coup franc en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Bientôt la 60e minute de jeu. Bientôt la 70e minute de jeu de préférence. Bientôt la 70e minute de jeu. C'est toujours 2-0 en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Rappelons les résultats de la 4e journée du championnat national de première division. La victoire de l'équipe du Cavalier au départ de la S1, 1-0, c'est Ami André qui a marqué à la 61e minute. Victoire de l'Arcaïa au départ de la Juventus, 1-0. C'est Fabrice Latortue qui a marqué à la 47e minute. Victoire de l'ASM au départ de l'América des Caraïbes, 1-0. C'est Jeff Louis qui a marqué pour l'équipe de l'ASM. Jeff Louis, c'est un ancien joueur du FC Nantes. L'ancien joueur de Nancy Lorraine en France. Jeff qui a connu un passage au sein du championnat de la Belgique. Jeff qui a porté les couleurs de la sélection nationale à plusieurs reprises. C'était un meneur de jeu. C'était un grenadier. Jeff Louis de retour dans le championnat national. Et c'est lui qui a marqué pour l'équipe de l'ASM. Attention, le Violette à l'attaque, mais attaque échouée. 0-0 entre Racing des Gonaïves et Real du Cap. Le ballon qui sera au profit de l'équipe des Cosmopolites. Avec ce coup franc, ballon de la défense. Possibilité de longue balle. La passe en avant. Oui, le ballon
au profit de l'équipe locale. La longue passe en direction de Metellus, Benji Metellus, Jude Saint-Louis qui récupère. La passe à droite pour Stevenson Guillaume. Stevenson Guillaume, la passe en avant de Stevenson pour Steven Saba. Steven Saba pour Kellen George. Kellen George, la passe en avant pour Michel Hyder, Chéri Le Sot. Oh là là! Ballon sur le poteau de Stevenson jeudi. Oui. Oh là là, le Violette qui était tout près de marquer un troisième but. Oh là là. Oh là là, le Violette qui était capable de marquer un troisième goal. Mais ballon était écrasé sous bord transversal là. L'équipe des Cosmopolites au niveau de leur propre territoire, récupération avec Roberto Luis Mabadjo, récupération avec les locaux, la passe en avant, oui, la passe sur le côté droit, les Cosmopolites en possession de la balle avec Fabrice, déviation, ballon perdu, non, le Violette, les hommes des Cosmopolites qui récupèrent. On joue en direction de Benji Metellus. Benji Metellus qui a commis la faute. Et c'est un coup franc au profit de l'équipe du Violette Athletic Club. 2-0 en faveur de l'équipe du Violette. Jude Saint-Louis. Jude qui donne à Guillaume. Guillaume et Jude. Kellen George, Kellen Stevenson, Horacius Villemont, Horacius, la passe en avant, déviation en retrait, le ballon pour Jude, Jude Saba, Saba Jude, 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 la passe en avant de Jude. Villemont, la passe de Villemont, récupération avec les locaux, le ballon au milieu, la passe pour Fabrice, Fabrice Junior, Fabrice, dribble de Fabrice, mais le ballon qui sort en touche, touche pour les locaux, Fabrice, très bon joueur Fabrice, mais malheureusement, ballon perdu, Roberto Luis Mabadjo, Stevenson jeudi, la passe en retrait, déviation pour Kellen George, possibilité de centre, ballon perdu, attention, la récupération du côté des visiteurs. Les locaux qui récupèrent le ballon qui sort en touche. Touche en faveur de l'équipe des Cosmopolitan Football Club. 2-0 en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Ballon pour Metellus. L'équipe des Cosmopolites qui attaque. Attaque échouée. Attention, le danger est toujours là, mais non. C'est la défense du VAC qui récupère. Dani Camille qui reste au sol. Dani Camille qui reste au sol. Le ballon en faveur de l'équipe, qui sera en faveur de l'équipe du Violette. Merci pour votre intérêt, merci pour votre écoute. La RTL en direct depuis le stade de Silvio Catalan. Ok. La RTL en direct a perdu. Ok. Salutations à Naomi, salutations à FL, Christian Lumin, Jétro, Madame Lia, salutations à
Kadji, salutations à Beaubrun, à toute l'équipe RTL là, salutations à Madame Dorvilus. Oui, salutations à tout le staff. Pas hésiter à partager live là. Salutations à tous nos sponsors. Yo en pile qui accompagne nous. Oui, salutations à Belloni, Lison. Oui, le joueur de l'équipe du Violette qui reste toujours au sol. Merci pour votre intérêt. Merci de votre écoute. Ballon pour le Violette avec notamment Horacius Villemont. Le ballon convoité par Denilson Pierre. Le ballon qui sort en touche. La rentrée touche en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Danny Camille, Kellens George. Kellens, déviation en direction de Jude Saint-Louis. Jude Stevenson Guillaume. Guillaume qui donne à Kellens George. Kellens, la passe en avant. Danger pour le Violette. Non. Goal. But refusé. Malgré le joueur Violette, la Célic marqué contre Canli, mais arbitre assistant est en train de signaler. Qui est en jeu. Attention. Le ballon en faveur de l'équipe du VAC. C'est la 78e minute de jeu. Le Violette 2, les Cosmopolites 0. Danny Camille, Danny Villemont, Oasis Villemont. Le ballon en faveur de l'équipe du VAC. Villemont. La passe pour Roberto Luma Baggio. Steven Saba. Steven Kellens George. Kellens. Stevenson jeudi. Stevenson. Le ballon repoussé. Le ballon dégagé en touche. La rentrée touche en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Le ballon qui sort en touche à nouveau. Touche en faveur du VAC. Un autre changement dans le camp du VAC. C'est Lens Pierre qui pourrait rentrer à la place de Danny Camille. Lens Pierre qui pourrait rentrer dans la place de Danny Camille. Championnat national de première division. C'est la quatrième journée de ce championnat. Oui. C'est la quatrième journée de ce championnat. Ballon au profit de l'équipe du VAC. L'équipe du Violette Athletic Club qui a attaqué. Cosmopolitan qui récupère. Attention. Le Violette avec cette passe pour Kellens. Le dribble du joueur de Cosmopolitan qui récupère. Non, le Violette reprend. Voyons le programme de la cinquième journée du championnat national de première division. Le Don Bosco affronte l'équipe du Racing des Gonaïves. América, Cavalli de Léogane, Real Hope, Tempête, Wanamete, Juventus, Baltimore, Cosmopolita SC, AS Mirbalem, Triomphe Fika, Arcaya USR et puis le Violette Athletic Club reçoit le Racing Club haïtien dans le cadre du derby national. Dimanche, vous aurez le derby national sur nos ondes de la RTL, la radio télé LIA.
le ballon en faveur du VAC. Le ballon en faveur du VAC. Non, Cosmopolitan reprend dégagement en touche. La touche en faveur de l'équipe des Cosmopolitan Sportif Club, mais l'arbitre central qui n'a pas encore donné le signal. Il s'est fait la rentrée de touche du côté des Cosmopolites. Attention, le centre. Possibilité de tête, oui, la tête de Benji Metellus. Mais ballon capté par Steve Sanon, le dernier rempart de l'équipe du VAC. Ballon pour Denilson Pierre. Denilson, la passe en avant. Le ballon convoité par la défense des Cosmopolites FC. Déviation au niveau de la défense. La passe. L'équipe des Cosmopolites en possession de la balle. Ballon de la défense. Oui, la passe pour Fabrice. Fabrice Vedicci Junior. Steven Saba qui récupère. Steven Roberto Luima Baggio. Roberto Luima Baggio. La passe en retrait pour Lens Pierre. Lens, le nouveau venu. Lens qui donne à Villemont. Oasius Villemont. La passe pour Jude Saint-Louis. La passe en avant. On remet de préférence en retrait pour le portier. Ballon pour Oasius. Oasius pour Kellens, Steven Saba. Ballon pour Roberto Luima Baggio. Roberto qui donne à Villemont. Villemont Denilson. Déviation. Attaque du VAC. Le ballon qui sort en touche. La rentrée de touche au profit de l'équipe du Violette Athletic Club. 2-0 en faveur de l'équipe du VAC. 2-0 en faveur de l'équipe du VAC. Bientôt la 85e minute de jeu. Entre-temps, c'est la 84e minute de jeu. 2-0 en faveur de l'équipe du Violette Athletic Club. Le ballon pour Cosmopolitan Football Club. Cosmopolite avec ce ballon qui sort en touche. La touche au profit du VAC. 2-0 pour l'équipe du Violette. Le ballon pour Michelin de Chéry. Kellen Saint-Georges. La passe en avant. Oui, pour Roberto Luima Baggio. Dégagement du portier de l'équipe des Cosmopolites. Attention. Fabrice Vérica Junior qui récupère la passe en avant. L'équipe du Violette en possession de la balle. Ballon en faveur des Cosmopolites. Coup de tête de Stevenson jeudi. Ballon repoussé par Jude. Stevenson. Le Violette en défense. Ballon en faveur de l'équipe du VAC. Salutations à notre confrère Brégard. Anel Brégard. Ballon au profit de l'équipe du Violette. Lens Pierre. Kellen Saint-Georges. Lens Pierre. La passe pour Denilson Pierre. Roberto Luima Baggio. Attention. Dribble réussi. Attention. Oh là là. Roberto Luima Baggio. Qui donne à Denilson Pierre. Ballon pour Kellen Saint-Georges. Le ballon en faveur du VAC. Lens Pierre. Le ballon en faveur de l'équipe du VAC avec Stevenson Guillaume. Déviation. Oh là là. Non, t'es gain position avancée. T'es gagné en position avancée. C'est un coup franc au profit de l'équipe des Cosmopolitan Sportif Club.
C'est la 86e minute de jeu. Cosmopolite à l'attaque. Ballon en direction de Metellus. Horacio Youssef Villemont qui a joué le ballon de la main. Non. Le joueur Metellus a été en position avancée. Le ballon pour Villemont. Villemont, la passe en avant pour Denilson Pierre. Le ballon repoussé par la défense de l'équipe des Cosmopolites. Rentrée de touche au profit du VAC. Lens Pierre. Lens, la passe en avant. Le violet à l'attaque. Oui, déviation. Ballon sur le côté droit. Stevenson et Guillaume. Dégagement in extremis en corner. Dégagement in extremis en corner. Le corner en faveur de l'équipe du Violet Athletic Club. Un rappel des résultats des autres matchs disputés dans le cadre de la quatrième journée de la série clôture du championnat national de première division. Le Cavalier a battu l'équipe de la SC1 but à 0 but d'Ami André. La victoire de l'Orcaïa au dépens de la Juventus 1 but à 0. C'est Fabrice Latortue qui a marqué à la 47e minute. Victoire de l'Orcaïa au dépens, ou du moins simple. Victoire de la SM au dépens de l'América 1 but à 0. C'est Jeff Louis qui a marqué. Et puis 0-0 entre Racing de Gonaïve et Real Hope. Large victoire depuis hier du Don Bosco de Bétionville, 4 buts à 0 au dépens du Racing Club haïtien. Le ballon soulevé dans la surface de réparation. Attention, mais ballon capté par Jean Wycliffe Balthazar. L'équipe des Cosmopolites en possession de la balle. La passe en retrait. Déviation. Attention. Le violet qui tente de récupérer. Les Cosmopolites à l'attaque. La passe pour Fabrice Védrique Junior. Fabrice, la passe en avant. Déviation pour Kellens Georges. Kellens, Denilson Pierre. Denilson, la passe pour Steven Saba. La passe en avant. Le ballon en faveur de l'équipe du Violet Athletic Club. Possibilité de passe. La passe justement pour Michneider Chéri. Possibilité de centre de Michneider. Le ballon de la surface de réparation. Attention, mais repoussé par la défense des Cosmopolitan Sportive Club. Championnat national de première division. C'est la quatrième en journée. Oui. Quatrième en journée de la série de clôture de cette compétition. On attend le signal de l'arbitre central. Entre-temps, c'est un corner en faveur de l'équipe du Violet Athletic Club. Le corner exécuté en deux temps. Le tir, mais ballon repoussé par le portier. Wycliffe Balthazar, attention. Le centre raté. Le ballon repoussé par la défense des locaux. L'équipe des Cosmopolites avec Fabrice. Mauvaise passe. Le ballon qui sort en touche. Touche en faveur de l'équipe du Violet Athletic Club. C'est la 90e minute de jeu. Nous jouons les minutes additionnelles, oui. On donne 3 minutes de temps additionnel. Le ballon en faveur de l'équipe du Violet. Denilson Pierre. Denilson, Jude Saint-Louis, Jude Villemont, le ballon sur le côté droit, Guillaume, on a commis la faute sur Guillaume, ancien joueur du Racing de Gonaïve, Stevenson Guillaume, particulièrement aujourd'hui, il joue au poste d'arrière latéral droit. On peut le dire, c'est un joueur polyvalent. On le connaît comme milieu relayeur, comme meneur de jeu. Mais maintenant, il joue comme défense, comme arrière latéral droit. Troisième goal du Violet. Mais non, ballon pour Lens.
Lance Saba, Saba Jude, Jude, Jude qui va contrôler le ballon en faveur de l'équipe du Violet Athletic Club. On remet à Jude, Jude pour Horacius Villemont, la passe en avant, déviation. Le ballon en faveur de l'équipe du VAC. Le ballon en faveur de l'équipe du VAC. Ballon perdu. Récupération du côté des Cosmopolites avec Fabrice. La passe en avant. Le Violette qui tente de récupérer. Kellens George. Kellens George. Le tir désespéré de la part de Kellen Saint-Georges. Ballon intercepté facilement par le portier de l'équipe des Cosmopolites. Fabrice qui donne en avant un bon ballon pour Cosmopolites. Oui, un bon ballon, un bon ballon. Villemont qui récupère. Le dégagement de Villemont. Roberto Luis Mabadjo, attention, 2 contre 2, 2 contre 3. Attention, attention, attention. C'est à côté. Tir de Roberto Luis Mabadjo. C'est à côté. L'arbitre qui va siffler la fin de cette rencontre. 2-0 en faveur de l'équipe du Violet Athletic Club. Attention, troisième goal. Facile, facile. Oh! Hey! Stevenson Jeudi qui a joué de malchance. Stevenson Jeudi qui a joué de malchance. Et c'est fini. 2-0 en faveur du Violet Athletic Club. Oui. Victoire de l'équipe du VAC aux dépens des Cosmopolites FC, 2-0. Avec un but de Marovin de Germain, un but de Fernando Cicéron. C'est